la symphonie des âmes. Alors ce nom m'est venu parce que j'avais tout quitté, tout abandonné, tout lâché. Lieu d'habitation, travail, famille, emploi, tout. J'étais là au volant de ma voiture, en train de rouler dans une direction qui m'échappait. Et puis, j'entendais une sorte de voix intérieure qui m'a dit « L'incarnation est une danse permanente. Tantôt cadencée, tantôt douce et subtile, parfois imperceptible. La vie sur Terre se danse au rythme d'une musique qui n'est entendue que par celles et ceux qui la vivent. Et la somme de toutes ces musiques est une symphonie. C'est la symphonie des âmes. » Je pense que le processus d'intégration de qui nous sommes passe par l'expérience. C'est-à-dire expérimenter véritablement au quotidien eh bien, ce que nous sommes. Alors, pour moi, c'est ma vie, c'est ce chemin-là. C'est j'expérimente et puis ensuite, j'essaye de transmettre cette expérience. Alors, dans cette expérience-là, j'ai fait des choix initiaux, d'abord des choix d'incarnation, comme chacun, où j'ai choisi de me confronter à certaines tensions environnantes, certaines non-reconnaissances qui m'a conduite, poussée à tourner le regard vers l'intérieur. Alors, comme beaucoup d'êtres aujourd'hui là, qui se sentent un peu isolés dans leur famille, dans leur environnement social, éducatif, professionnel, eh bien, j'ai fait ce choix-là initial de naître dans une famille où, eh bien, je n'aurais d'autre choix que de trouver en moi-même les réponses. Alors, très rapidement, j'étais jeune garçon, j'avais une espèce de certitude intérieure, une résonance, là, une voix qui disait « Il y a peut-être autre chose que ce que tu vois là, autour de toi, que ce que là, ton père, dans sa dureté, sa violence physique, morale, il y a peut-être autre chose que tout ça. » Ou alors, il y a peut-être aussi avoir au-delà de cette espèce de spectacle-là. Alors, bien sûr que dans la tête d'un enfant là, qui est une espèce d'éponge émotionnelle, eh bien, ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que il a pas le filtre là, de la raison pour se dire, se rappeler qu'il a fait ce choix-là, de choisir ses parents-là, et que ce choix-là a un sens qu'il percevra plus tard. Alors j'avais 5 ou 6 ans, et puis je posais la question, c'est pourquoi je me trouve dans cet environnement-là, où je sens une espèce d'arrière-plan, là, qui pousse en moi, et puis qui bute sur une espèce de mur environnant, où je me sens pas accueilli dans ce que je sens à l'intérieur, là, où je ne me sens pas entendu. Et puis parce que j'étais comme un enfant, comme dans sa coquille, en révolte, là, de ce que je vivais, eh bien, j'ai appelé de mes voeux autre chose. Et j'ai cru être exaucé. J'avais 6 ans.